Le 12 janvier 2010, environ 300 000 Haïtiens ont perdu la vie. Ces deux voiles pour nous montrer la vie haïtienne qui a valeur, nous devons la prière pour commémorer. C'est nous-mêmes qui pouvons battre nos valeurs en vent pour le monde, pas nos valeurs. Dans la même chose, à tout, nous allons prier pour tout cela qui prend le vent à cause du coronavirus. Là. Que bon Dieu, la miséricorde, nous pardonne, agréez de nous et baillons nos places dans le ciel. Je dis à l'Église d'avoir célébré la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, l'inauguration du ministère public de notre Seigneur. Vous êtes ça? Je dis à donc, n'a plus vu que nous bien grand pour nous entrer dans la belle merveille ça. L'inauguration de la nouvelle alliance, l'inauguration du ministère public de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, en nous camper et chante aujourd'hui, hein, sur Michelin, par Antoine pour nous. Moi, baptisé dans la mort, acte de lever Jésus-Christ. Moi, baptisé dans la foi pour me former l'église Christ là. Moi, baptisé dans l'église pour me servir Jésus témoin. Moi, baptisé dans les mains pour me sauver terre. Moi, baptisé dans la mort, acte de lever avec le Saint-Esprit.
Dieu éternel et puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Nous te le demandons. Ô Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne avec toi et de cet Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous, mes frères et sœurs. Nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu qui sera faite par notre sœur Cécile Villemain. Venez, voici le lot. Écoutez et vous vivrez. Première lecture. Lecture du livre Isaïe, chapitre 55, versets 1 à 11. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas? Écoute-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Vous regalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde. Vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retourne pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Maintenant, nous allons méditer la parole. Nous allons méditer Isaïe 12, versets 2, 5 à 6. Vous allez répéter après chaque strophe. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Dites-le,
sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Deuxième lecture. Esprit à gloire accent. Nous joignons la 1 Jean 5, chapitre, la 1 Jean 5, verset 1 à 9. Nous-mêmes, nous remets en pile là. Tout le monde qui croit Jésus c'est Christ là, c'est un bon Dieu qui fait. Tout le monde qui remet ça qui bat naissance là, il remet ça qui fait dans le lit à tout. C'est dans ça que nous reconnaissons, nous remets ça qui fait dans le bon Dieu. C'est là que nous remets bon Dieu et puis nous faisons commandement. Ça réellement, c'est charité bon Dieu pour nous aimer commandement. Et puis, commandement, parle. C'est que tout ça qui fait dans le bon Dieu, il remporte victoire sur terre. Et puis, même victoire qui remporte victoire sur terre, c'est la foi. Qui est ça qui remporte victoire sur terre? Si ce n'est pas ça qui croit Jésus, c'est petit bon Dieu. Ça, c'est lui-même qui finit dans l'eau avec ça, Jésus-Christ. Pas dans l'eau seulement, mais dans l'eau avec ça. Et puis, c'est l'esprit qui servit témoin. Parce que l'esprit, c'est vérité. C'est yo toi qui a servi témoin. Esprit a gloire accent. Et puis toi, ça y est, c'est un seul lieu. Si nous recevons un témoignage, mon yo, témoignage bon Dieu a plus grand. Parce que même témoignage bon Dieu a qui plus grand, il servit témoin au sujet petit lire. Ça c'est parole grand maître là qui est tout pouvoir. C'est ma foi mieux en campé pour acclamer l'évangile. Alléluia, alléluia. Ou c'est petit, moyen. Ça me remet en pile là. Non, ou moi joigne plaisir moi. Puis remettre là avec nous toutes. Mais bonne nouvelle de Jésus-Christ est d'après Marc qui saint. Le sang, Jean t'a prêché en tant que t'a dit. Que mon qui pis fort, passez moi, cap vini après moi. Moi pas mérité, baisser pour défaite, l'asset, sandalio. Moi-même, moi t'ai baptisé nous dans l'eau. Lui-même, même, l'a baptisé nous dans l'Esprit Saint. Rivez, Joussayo, Jésus vini sur Nazareth, Galiléa. Il recevait baptême dans les gens dans le Jourdain. Mais le ya, en tant la montée, saut dans l'eau, il y a ciel et l'ouvrir, et puis esprit ya, tant que yon colombe, cap descendre, posé sous lui. Yon voit sauter dans le ciel yo. Où c'est petit moyen, sans remèdes, dans où moi joigne plaisir moi. Ce matin, frère, nous faisons louange à compliment aux paroles bon Dieu. Louange pour vous, Jésus. Amen. Le thème à développer, je dis assez.
les conditions pour recevoir la grâce. Qui conditionne pour remplir le nouveau contrat. Bon Dieu, nouvelle alliance là, manifestée à vous-même et à moi-même. C'est le cadre, baptême Jésus, nous jouons l'inauguration du nouveau contrat. Nous pouvons regarder pour nous, paramètres du nouveau contrat, qui vient de paraître, il y a trois paramètres. Et deuxièmement, nous pouvons voir qui conditions pour nous remplir, pour nous-mêmes, nous capables de participer, pour nous bailler, pour nous nayer dans le nouveau contrat. Avant de parler du nouveau contrat, il faut nous dire. Dans l'Ancien Testament, il y a 5 anciens contrats. Il y a 5 contrats. Il y a un contrat qui est passé avec Adam, premier contrat. Deuxième contrat qui est passé avec Noé. Troisième contrat qui est passé avec Abraham. Quatrième contrat qui est passé avec Moïse. Et puis cinquième contrat, c'est le contrat qui a commencé avec le prophète Dieu et qui va le culminer, qui a fait le plus haut point dans le prophète Jérémie. 5 contrats qui étaient passés avant. Mais chaque contrat a gagné une signification par eux. Contrat pour tu passes avec Adam, c'est une phrase qui te dit croissez, multipliez, remplissez. Croissez, multipliez, remplissez et soumettez la terre. Soumettez la terre. C'est là du travail, transformez terre, faire route, faire caille, faire tout bagage. Parce que dans une nation qui prend croissez, multipliez, remplissez, qui veut dire prenez l'invitif, ouais. Ah, ça, il faut fort là-dedans. Il y a 12 petites. Il y en a qui comptent, il y a 17 petites. Mais le lien au bagage. Croisez, multipliez, remplissez et soumettez la terre. C'est-à-dire, il faut travailler, il faut transformer la terre, il faut construire, il faut faire route. Donc, il y a tout marché ensemble. Donc, le premier contrat, c'est là qu'on dit fait. Deuxième contrat, avec passer la noyer, c'est après le déluge. On dit noyer, allez, respirez toute fleur qui gagne. Aller par toute la terre, donc fait en sorte que tout le monde qui va vivre sur terre va le reconnaître, va le connaître tout de ses frères à soeur. Il doit vivre d'un coup, frère à soeur. Mais maintenant, ni alliance avec Adam, ni alliance avec Noé, il a failli. Parce que l'humanité va gagner un peu de crime, un peu de guerre, un peu de mal. Si j'ai connu Adam, c'est Caïn avec Abel, il a tout l'autre. Songez déjà dans petite. Noé, Géyoun, qui était content, a passé la bêtise parce que Noé était bon pour t'éclairer, et puis Noé était en dessous, Noé était retiré tout le temps sous lui. Donc, malgré que tu es arrivé pour nous vivre bien, pour nous vivre ton frère avec ça, mais les hommes ont failli à mission 1. Et ça fait que Dieu va passer au troisième contrat avec un aide qui est Abraham, qui a vécu dans un Irak, Kaldé, c'est ancien nom de ça, qui est Abraham, qui dit Abraham. Nous allons faire un nouveau peuple, une nouvelle race, une nouvelle société ensemble avec nous. Et ça fait nous songer Abraham qui était pays depuis le monde, là le Canaan, dans une nouvelle terre pour demander pour aller passer un nouveau contrat avec lui. Mais là encore, dans la famille petit Abraham, il y a un problème. Frère, vend nous frère. Nous connaissons l'histoire très bien. Jacob a 12 petites, et puis messieurs, ça le fait. Votre frère, il y a 20 frères avec Joseph, et puis Joseph pour le diable. Aller comme esclave en Égypte, mais bon Dieu, tu es compris pour le plan pour Joseph, bon Dieu fait Joseph le premier ministre. Donc ce plan, la liste avec Abraham, donc il va le briser. Le frère va le vendre, frère. Donc bon Dieu pour nous, Israël va le vivre, commencer à prendre frappe, prendre bâton en Égypte comme esclave, pour nous passer notre alliance avec Moïse. Parce que le Moïse fait libérer le peuple-là, mais sur l'histoire-là, le peuple va passer dans la mer rouge, le peuple va le grandir. Et puis pour enfin l'entrée dans le Canaan, bon Dieu va aller les 10 commandements, et puis avec Moïse, il dit, vive ton peuple qui saint. Et tout le monde, l'autre peuple, le garder, et puis là, on sait, il apprenait que bon Dieu voulait pour tout le monde vivre, tant que le monde qui est simple, qui doit, ne pas j'oublier le bonheur là. C'est pour nous vivre, tant que frère, avec soeur. Et puis là, le juif a fait notre Canaan, a fait commencer bon, puis son monde lui fait, il commençait, bah, l'autre juif parlait du problème, l'autre Israël parlait du problème, et puis chaque fois, il y a une bonne dette, il met l'autre esclave, il y a une crasée, une brisée, une détruit, une touillée. Il garde le contrat. Donc l'alliance. Que Dieu a passé pour Moïse le mont Sinaï, les 10 commandements, les détruit à partir du moment où la nation juive, la nation d'Israël, vous pouvez aller vivre à l'autre, est un chemin léché, esclave, détruit, destruction.
Maintenant, Dieu va commencer à susciter des prophètes. Il commence avec le prophète Élie. Mais vous avez des prophètes qui vont aller les Jérémie. Et puis c'est avec Jérémie que tu vas passer pour l'alliance avec la nation. Il dit, bon, puisque moi, le peuple moyen tellement fait ça, pas ça, moi tellement fait ça, 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 pas bon, pas bon de vous-même. Et bien, quand il y a un papa ou alliance en papier, un papa ou alliance qui représente pas un monde, vous allez écrire alliance pour y en un cœur. Rappelez-vous, le Nabucodonosor fin entré Jérusalem, et puis il détruit le temple là, et puis il enchaîné tous les nobles d'Israël, et puis il a mené au descendre à Babylone, et puis Jérémie campé sur les ruines de Jérusalem, et puis Jérémie prononçait les paroles de la 5e alliance. Dieu nous a dit, même si le temple a détruit, alliance li, Kounia, la passé dans le cœur. La maison rencontre mon Dieu, ce n'est pas dans le cas pour venir, forcément. La maison rencontre mon Dieu, entrer dans le cœur. Voilà l'alliance que tu as passée par les prophètes. Mais, mon problème, tu vas venir arriver. Mais Israël, quand il arrive à Babylone, au lieu de continuer à vivre très bien, au lieu d'entrer dans la prière, de commencer à servir Zidon, et puis ils commencent à vendre l'autre. Rappelez-vous l'histoire d'Esther, rappelez-vous l'histoire de Naomi. Yon juif a vendu l'autre, yon a détruit l'autre, yon a crasé l'autre parce que yon a besoin de position, yon a besoin de arriver sur l'autre. Et puis Dieu m'a dit, ah, puisque le peuple ça, malgré tout ça nous fait, il n'y a pas comprendre. Et bien moi entrer dans le grand silence. Voilà pourquoi Habacuc, ce sera le dernier prophète de l'Ancien Testament. Avec Habacuc, après Habacuc, mon Dieu pébouche les pages, j'en parle avec Israël. 400 ans passés, mon Dieu, pas jamais pas. Mon Dieu n'a parlé, c'est faux prophète. Mon Dieu n'a dit histoire, blablabla. Rien parce que Dieu a fermé. Le ciel s'est fermé pendant 400 ans. Et sans plus théologie, la période intertestamentaire, donc c'est à partir d'Habacuc, avant de venir arriver à l'ange Gabriel qui va paraître devant le père de Zacharie pour dire, et bien en bas, on va lever. Bon Dieu, on y a, voilà, invitez-nous dans une 6e alliance, qui va être une nouvelle alliance, qui va être une alliance éternelle et définitive. Alliance ça, qui joue, il va l'inaugurer. Il va l'inaugurer au baptême de Jésus. Il y a trois actions qui vont passer. Un, au colon. Deux, ciel là, va l'ouvrir. Troisièmement, la voix de Dieu. Va sortir dans ciel là et tout le monde va le tenir. Il a dit, je nomme ça, c'est petit moi, c'est là que vous aimez en pile. Dans ces trois phénomènes, nous jouons les paramètres de la nouvelle alliance. La colombe est un symbole de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Le ciel qui l'ouvre, c'est l'esprit prophétique qui recommence encore, parce que Babylone avec Habacuc, c'est la défermée. Et ça, Ézéchiel est dedans. Prédit. Et puis avec la voix de Dieu qui parlait dans le ciel là, et bien c'est l'intervention divine spécifique qu'a faite dans le monde. Donc bon Dieu déclarait, il pourra intervenir dans le monde pour confirmer le ministère prédit. Donc la nouvelle alliance, Chita se doit roche du feu. Ça. Premièrement, le Saint-Esprit. A fait des alliances, qui était longtemps, et Nedkal dans l'école, qui connaît l'école rabbinique, qui fait 12 ans, puis le docteur de la loi, par les bagages comme ça encore. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré le monde pour permettre de connaître qui est la volonté de Dieu. Et le baptême de cet esprit, c'est un baptême que tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, ils ont tous recevoir le baptême ça parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va guider nous. Ce n'est pas raisonnement encore, ce n'est pas belle parole encore, et pas pour étude encore, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui va guider nous. C'est le premier moteur pour les paramètres de la nouvelle alliance. Le deuxième paramètre là, c'est donc le ciel là qui l'ouvre. C'est-à-dire l'esprit prophétique maintenant va l'habiter sur tous les citoyens de la nouvelle alliance. Et pas personnellement qui l'a prêché, et pas prophète seulement qui l'a prêché. Tout le monde qui croit dans mon Dieu, tout petit bon Dieu qui a une mission de tous ces prophètes, le ciel l'ouvre. Donc nous tous nous capables ni annoncer le mieux, ni dénoncer le mal, le péché et la présence de Satan dans le monde. Il y a un soldat qui dit ça, oh c'est permis à quelqu'un qui a pas prêcher, moi-même je suis en train de me donner. Là, on fait une faute. Ce n'est pas permis à quelqu'un qui vous prêcher, ou même tout, il faut prêcher, il faut prêcher dans le travail, il faut prêcher dans la rue, il faut prêcher dans le bus, il faut prêcher dans la caillou, car vous aussi, vous êtes prophète, et en tant que prophète, il faut balayer son petit direction pour faire pour aller dans le ciel. Mais il faut dire tout, le Satan dans le péché dans le sac qui est mal à faire, il faut dénoncer tout ça. Et troisièmement,
la voix de Dieu qui est intervenue, il dit donc que Dieu, maintenant dans la nouvelle alliance, va intervenir directement pour confirmer le ministère de ses enfants. Ça veut dire donc, avec la nouvelle alliance, avec le bras, paralysé bras, marcher, mounsou bras, tendez, bébé bras, parler, en dans le ministère, petit bon Dieu. Donc Dieu va intervenir pour confirmer le ministère de ses enfants. En d'autres termes, nous t'avons droit à dire, monsieur serviteur bon Dieu, moi-même. Nous t'avons droit à dire, c'est bon Dieu que vous voyez. Nous t'avons droit à dire, c'est bon Dieu pour mon mission. Mais, tout le temps, bon Dieu va confirmer le ministère là, par prodige, par merveille, par aussi nous va réaliser, nan la rina. Nous ne pas dire, et bon Dieu, vous voyez, si bon Dieu va confirmer le ministère à lui-même, à travers prodige, à travers merveille, à travers miracle, à travers intervention, parle dans le ministère. Maintenant, puisque nous finissons faire toute belle réalisation avant, on nous répond aux questions. Quelles sont les conditions pour qu'on joigne l'esprit? Quelles sont les conditions pour qu'on ait des prophètes dans le monde? Quelles sont les conditions donc pour qu'à à travers le ministère Paul, l'esprit de Dieu a agi, l'intervention divine a fait, a agi avec puissance pour confirmer que oui, ou même, ou ses œuvres, pas ou ses petits bon Dieu, c'est bon Dieu même qui m'a mission ça. Comment pouvons-nous entrer donc dans cette belle œuvre de la nouvelle alliance? Eh bien, c'est le monsieur ça, qui est le Jean-Baptiste, qui bat nos conditions. Elle commence à prêcher, elle dit, je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. La préparation, c'est Jean-Baptiste lui-même. En plus, nous pensons que Jean-Baptiste faisait un baptême de conversion, fausse théologie. Jean-Baptiste n'est pas capable de faire ça. C'est Jésus seul qui est capable. Il y a des gens qui pensent qu'avec le baptême de Jean-Baptiste, là, nous nous transformons. Non, Jean-Baptiste a préparé nous pour la venue de notre Seigneur. Et ça fait Jésus-Christ à le baptiser dans le Jean-Baptiste. Jésus-Christ n'a pas besoin de conversion. Les théologiens qui ont dit Jésus-Christ est retiré de divinité, il prend forme humaine pour la prendre baptême. Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ, c'est le bon Dieu, il n'est pas besoin de conversion, il n'est pas besoin de l'esprit d'esprit dans le Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas capable, Jean-Baptiste est un prophète. Jésus-Christ, par le baptême, a confirmé le ministère de Jean-Baptiste. Et donc, c'est dans Jean-Baptiste pour nous joindre les conditions pour nous préparer, pour nous recevoir la nouvelle alliance. Donc, il y a trois paramètres de Jean-Baptiste qui va donner trois conditions pour recevoir la nouvelle alliance. Premièrement, Rade Jean-Baptiste. Deuxièmement, Saint-Marie-Rennes. Troisièmement, ça, la manger. L'habiller à un rade pour bête, c'est la première condition. Pour bête là, c'est le symbole de l'austérité. On nous dit austérité. 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 Deuxièmement, c'est ceinture en cuir là qui marie. Ça, c'est un symbole de mortification. On nous dit mortification. Troisième symbole là, c'est manger gâteau miel qui n'a pas bois la prendre pour le manger avec la force. Ça, c'est un mot manger. Ça, c'est un symbole de simplicité. On nous dit simplicité. Les trois conditions pour entrer dans la nouvelle alliance, pour être prêt pour recevoir la nouvelle alliance là. Austérité, mortification, simplicité. Austérité a dit son monde qui ont rigueur morale. For what? L'esprit de Dieu va servir à mort sous cochon. L'esprit de Dieu pas qu'à manifester présence de Yahweh. Sous des trous dans manche. Austérité. Au monde qui doit pas d'accord. Le monde n'est pas qu'à critiquer parce qu'on est un monde qui est cochu. On n'est pas qu'à servir de bon Dieu pour notre travail, pour qu'on doit fonctionner, pour cochu, pour faire ça, pas ça. Non! Pour que l'esprit de bon Dieu mouve, pour qu'on rentre dans la nouvelle alliance, premièrement, fort, pour faire tout effort pour ce monde qui est droit, austère. Soyez austère. Austère. Deuxièmement, mortification. Mortification signifie vous vous débarrasser de la charnalité. C'est-à-dire, où est la chair et le sang, vous mettez le sous. Son charnel, l'Esprit de Dieu, pas qu'à mouvre, il pas qu'à travailler dans le monde. Débarrassez-vous de la charnalité. Les bébelles, les frioritures, vos saisons, vous parlez dedans.
pour que l'Esprit de Dieu joigne dans nous un berceau pour entrer pour le travail, pour nous faire l'alliance de la capable chita. Nous avons besoin d'un monde qui mortifie, c'est-à-dire la chair, pas de priorité dans la vie. Quel monde qui a fait l'église là-là? Si nous essayons de faire ça, nous avons dit dimanche passé, nous avons dit que nous avons l'église là-là, nous avons dit uniformes. Ou jamais, vous êtes jamais. Si pour marier, vous faites d'amour avec une belle fille, qui faites la gagne pour moi, vous êtes jamais. Et pas mariage, vous ne pouvez pas chercher. Et pas mariage selon le cœur de Dieu. Cette machine n'est pas telle, je ne vais pas monter. Il faut le bel, il faut le chêne, bel, il faut le bord, il faut ceci, il faut cela. Ou pas la donne, vous êtes charnel. Et si vous êtes charnel, l'Esprit de Dieu n'est pas capable d'agir dans vous. Prenez une place. Vous n'êtes pas un citoyen de la Nouvelle Alliance. Débarrassez-vous. Vous devez vous défaire de la charnalité pour que l'Esprit de Dieu de la Nouvelle Alliance là, je vais vous compter pour le chita, pour l'aïté. Il y a des moyens, que c'est la simplicité. Remarquez, je ne dis pas moi, j'ai mangé la passion de Bounou. Il va manger parce qu'il fait parler le plaisir. Il va manger parce que le bonheur bouche est juste manger parce qu'il connaît gâteau miel ça qui n'a bien quoi ça, c'est lui qui a pas la force qui a fait le jambe. Simple et aller à l'essentiel. Notre monde souffre, notre église souffre. Parce que trop souvent, nous n'allons pas à l'essentiel. Nous allons chercher et nous baillons accessoires au plaisir. Nous baillons dit ceci, cela, plaisir. Et nous baillons pas importance. Et puis, nous baillons essentiel là. Ça que est fait là, ça que pivot n'a pas l'importance. Frères et sœurs bien-aimés, la simplicité qui signifie aller toujours à l'essentiel, c'est la troisième condition qui permet que l'Esprit de Dieu, la puissance de la Nouvelle Alliance, j'ai une place pour le chita dans vous-même. En ce dimanche donc, de fête Noël, la va clôturer, nous allons entrer donc dans le temps ordinaire tout à l'heure. Avec le baptême du Seigneur, c'est le vœu que je formule pour chacun et chacune de vous. Soyez des personnes austères, des personnes spirituelles et non charnelles. Soyez des personnes simples pour l'Esprit de Dieu. Font travail dans vous-même pour 2021. Austérité, mortification, simplicité. Vous comprenez encore? Austérité, mortification, simplicité. Pas pour une troisième fois encore. Austérité, mortification, simplicité. L'Esprit bon Dieu, pour nouvelle alliance, par une place, pour le grandir, pour le donner, pour faire fruit dans vous-même. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Visitez tout. Puis, non, un petit moment, le silence, pour que vous méditez sur la parole de Dieu. Mettons-nous debout et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Descendre sur le jeu de nos prières, nous allons prier pour tous ceux qui sont partis au cours du tremblement de terre de 2010. Si bien vous pouvez vous battre, non, bien sûr, quand vous avez toujours battu, non, non. Vous avez dit, non, 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 qui était brun du vent pour le tremblement de terre. Descendre sur le jeu de nos tout le monde, nous allons prier le Seigneur. Gordon Guérin, Estella Désumé,
Gabriel Kézumé, Yolande Alexandre, Louis Alexandre. Accorde-leur dans ton paradis le repos et l'éternité bienheureuse. Prions le Seigneur. Afin qu'ils soient accueillis dans ton paradis et trouvent en partage le repos et l'éternité bienheureuse, Seigneur, nous t'en prions. Chancelier de l'archidiocèse de Port-au-Prince, que tu as appelé à toi au cours du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Seigneur, qu'il prenne les devants, qu'il ouvre la porte du ciel pour tous les autres membres de l'archidiocèse de Port-au-Prince qui sont partis dans ce grand drame du 12 janvier. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, rends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Saint Ange de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Saint André, Saint Jean, Sainte Marie Madeleine, Saint Étienne, Saint Ignace d'Antioche, Saint Laurent, Saint Perpétue et Sainte Félicité, Saint Agnès, Saint Grégoire, Saint Augustin, Saint Athanase, Saint Basile, Saint Martin, Saint Benoît, Saint François et Saint Dominique, Saint François Xavier, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, vous tous saints et saintes de Dieu. Notre droit favorable, délivrez-nous, Seigneur, de tout mal et de tout péché, de la mort éternelle, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint. Prions encore, le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton amour. Viens agir dans le sacrement de l'Eucharistie. Envoie ton esprit pour enfanter un peuple nouveau ici à Cambridge. Un peuple qui va naître pour toi.
Fait que les gestes de notre humble ministère dans cette messe aujourd'hui deviennent efficaces par ta puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, que les âmes des fidèles tripassés reposent en paix. Que les âmes des fidèles tripassés reposent en paix. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Merci. Asseyez-vous, mes frères et sœurs. Nous allons continuer la messe avec l'ouvertoire. La présenter maintenant au front noyau. Bye. Mon Dieu. Ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur accepte les offrandes que nous te présentons ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de trouver notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant d'un seul cœur, Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Mettons-nous à genoux pour la consécration. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement de sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous, mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, car il n'y a pas encore et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, le seul corps. Soumets-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Sean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Soumets-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont partis au cours du tremblement de terre de 2010, au cours de cette pandémie de coronavirus. Nous les présentons devant toi. Yvette Prince est entre tes mains, reçois-la. Jeanne-Jean est entre tes mains, reçois-la. Notamment Henri Villema est entre tes mains, reçois-le dans ton paradis et partage avec eux, Seigneur, l'éternité bienheureuse. Au Seigneur Bio, au Seigneur Benoît, au Seigneur Chéri, sont entre tes mains. Partage avec eux le repos et l'éternité bienheureuse. Et sur nous tous, enfin, sur Odanès Homel, à l'occasion de son anniversaire de naissance, sur tous ceux, Seigneur, en cette semaine, qui célèbrent l'événement heureux, nous aimerons ta bonté, ta grâce et ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Ouvrons les mains, mes frères et sœurs, nous allons présenter maintenant chaque membre de notre famille par devant le Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous pouvons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève et qui porte le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
n'a pas appelé tout le monde pour la communion, n'a pas sorti d'un côté latéral lieu pour aller à l'arrière de l'église, de l'arrière étant, n'a pas avancé dans le seul fil pour recevoir la communion. N'a pas les monde qui devant lieu, aller d'abord, et puis ainsi de suite, de sorte que l'on a avancé pour ne pas gagner un bouteillage. Donc, monde qui n'a pas devant lieu, vous êtes passé à l'arrière, d'abord, sorti, avancé dans le barreau, d'abord. Comme ça, et ainsi de suite, le monde qui est derrière, il va passer au fur et à mesure. Comme ça, va bien embouteillage. Bonne communion à tout le monde.
vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment. Nous te le demandons, bon Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Avant bénédiction finale, là, je voulais rappeler nous tous qui ont bagarre. Le 11 septembre 2001, Américains ont perdu 3000 morts. 3000 morts seulement. Et depuis 11 septembre, ils ont changé de pays. Je fais un mémorial chaque fois en septembre. Je fais un monument. Je réconforte les familles qui sont mortes. Chaque fois en septembre, nous allons arriver. Je renouvelle les mesures de sécurité. Si on voyage aux États-Unis, on fait presque une heure de temps à l'aéroport. Tellement en septembre, je prends. Et puis, je utilise comme un outil de transformation. Pour la nation, pas. Et si vous regardez, vous n'avez pas oublié, même famille qui était perdue du monde dans la catastrophe-là, votre famille, ça y est, gouvernement jusqu'à maintenant, toujours invité, chaque fois, il n'y a pas que l'arrivée, il y a soutenir. 12 janvier 2010, Haïti perdu environ 300 000 morts. Les États-Unis ont perdu 3 000. On va faire le bagage au feu. Mais on nous perdu 300 000. Donc, pour ça, on perdu, on multiplie le par 100 pour qu'arriver. Mais regardez ça qui passe là-bas. Il a toujours fait carnaval. Il n'a pas même fait un monument. Et les joueurs vont arriver. C'est comme une lettre à la poste. Ça n'a pas intéressé personne. Mais si nous-mêmes, haïtiens, nous ne prenons pas la vie haïtienne pareil au sérieux, qui va prendre au sérieux la place? En français, on dit qui veut son respect? C'est haïtien pour respecter haïtien d'abord. C'est haïtien pour aimer haïtien d'abord. C'est haïtien pour protéger haïtien d'abord. Et puis l'autre monde, l'autre nation, à respecter, protéger, à bonne valeur. Mais c'est la vie ou haïtien, pas qu'il fallait pour l'autre haïtien. Quand on voulait pour nous. Je dis, nous devons les songer, nous ne pouvons pas oublier. Et nous ne pouvons pas adorer les gens oublier. Espérez qu'un jour, haïtien qui est en Haïti, tout va prendre conscience. 300 000 personnes qui mourent, c'est pour blague. T'es que papa, t'es que maman, t'es que petite, t'es que cousin, pardon. Moi-même dans l'église catholique, nous avons perdu trois têtes dans la justice pour nos princes. Ni un chevêque là, ni un vicaire général là, ni un chancelier. Tous les trois mourir au seul coup, même l'air. La justice pour nos princes crasée au seul coup. Si nous construisons, nous avons construit. Mais si nous oublions, si nous oublions ce qui est passé, qui j'ai pas fait de construire. Après tout le monde de terre, moi-même, moi, j'ai osé quoi. Haïtien, tu as vu une vie mon autre. Haïtien, tu as aimé Haïtien. Parce que l'organisme, les cadavres qui étaient gagnés à terre, Haïti a entendu. Mais pas le fait que tout le monde oublie. Il va annoncer rien dans la radio qui s'est capable de mardi. Personne ne va dire rien. Il va même dire s'il a fait messe dans l'église. Oh, rien. Nad, Marie, Nad. On ne peut pas vivre comme ça. Non? Et on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Si mon Dieu qui est dans l'église là, demain, les va demander nous qu'est-ce que tu fais de tout le monde qui est mort. Qu'est-ce que tu dis? Il te fait carnaval? Il te fait des bidons? Frères et sœurs, on a oublié cette tête, un petit moment, et on oublie dans le silence pour que nous.
pour transformation société Panama, pays Panama. Que les âmes de tous les fidèles trépassés reposent en paix. Que l'âme d'Henri Villemar repose en paix. Que l'âme de Madame Saint-Pierre repose en paix. Que l'âme du docteur Jasmine repose en paix. Que les âmes de nos seigneurs Mio, Benoît et Chéri reposent en paix. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tout le monde.